You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode dans le Transtar. Bienvenue pour ce deuxième épisode dans les prés, j'ai envie de dire, parce que le jeu s'appelle Prés. Petit poney, tu gambades dans les prés. Voilà, un petit peu de légèreté en ce début d'épisode avant de passer à la suite, tout simplement, parce que la suite va être absolument terrible. On va aller dans le Talos One, Secure Transition, on va accéder à ce grand hall. J'espère que vous appréciez cette nouvelle série, les amis. Faites-le moi savoir directement en ce début d'épisode avec un petit like. Et puis surtout, mettez-vous dans le noir, mettez-vous bien, et je suis sûr, on accède au grand hall. On a eu une phase de chargement. Je peux revenir au département neuromode. Mais nous, on va aller au grand hall. Voilà. Vous avez réussi. Êtes-vous prêt à voir le monde pour la première fois? Nash Underwood. Bon, bah c'est pareil, toi, je vais voilà, honorer ton cadavre et te mettre de côté. Bon, comment ça on va voir le vrai monde? On va voir le vrai monde? Ah, voilà! Ah bah c'est pas pour me déplaire! Oh waouh! C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Regardez la Terre. Elle est là. Et elle va bien en fait. Je pense que la Terre va bien. C'est incroyable. Allez, on boit. C'est incroyable, on est dans l'espace depuis le début en fait. On est dans l'espace depuis le début. Mais ce qui me fascine, du coup, pourquoi on voulait me faire faire des tests, du coup, si je suis déjà dans l'espace, c'est une foutaise. C'est une vraie foutaise. Allez. On va descendre. C'est magnifique. On est sur la map Moon de Call of Duty. Oh, la pomme. Évidemment. Évidemment, il y a des katas quand je suis là. Attention. Vous devez vous rendre dans votre bureau. J'ai mis votre carte à jour. Une vidéo requiert votre attention. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Oui, j'ai beaucoup de questions. Vous êtes libre d'explorer Talos 1. Le grand hall vous permet d'atteindre d'autres parties de la station grâce à des portes de cloisonnement ou des ascenseurs. Vous pouvez revisiter le grand hall ou n'importe quel autre lieu découvert aussi souvent que vous le désirez afin de compléter des objectifs facultatifs. C'est un vrai open world. Donc là, je pense que là où on est actuellement, c'est la zone safe, en fait. Là où on est, là, c'est le hub. C'est le hub, c'est le grand couloir. Je pense qu'il peut rien nous arriver ici. Transtar. Magnifique. Donc là c'est l'exhibit, une sorte de musée, exposition. Je croyais qu'il pouvait rien m'arriver ici. Je croyais qu'il pouvait rien m'arriver. Oh non. Oh non. Oh non. Je croyais qu'il pouvait rien m'arriver. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement. Arrête ! Et de nouvelles instructions. Arrête ! Je sais pas où je dois aller. J'ose pas me retourner. Ah ouais. C'est bon ça. Ah, ça marche bien le pistolet à vue là. C'est un régal. C'est un régal. Arrêtez ! Arrêtez ! Au secours ! Votre santé est basse, utilisez un kit de secours. Ok, donc j'appuie sur E. Encore, parfait. Impeccable. Impeccable. Vous allez me suivre jusque là-haut là? Ok, ça marche. Allez. Bah tu dégages, hein, tout simplement. À qui le tour? Ok, alors toi mon pote. Alors toi. Alors toi mon gars. Oh, il est tombé comme une merde. Il est mort. Ah, oh, il est mort de chute. Non, c'est incroyable. Ça c'est parfait ça. Le fantôme est mort de chute, donc il y a des dégâts physiques, il y a des dégâts sur les hauteurs, et je pense qu'on va pouvoir en jouer, très clairement, on va pouvoir en jouer. Par contre, où est-ce qu'il est mort? Ah, je peux pas récupérer son cadavre, il est mort. Ah si, c'est bon, il est là. Alors, on a pas mal de choses, l'heure à typhon. Hmm.
Les leurres à typhons ou veilleuses émettent un signal psycholuminescent qui attire les typhons pendant une courte durée. Combinez-les avec d'autres armes ou stratégies pour tendre des embuscades. Vous échappez ou observez des typhons en toute sécurité. Vous pouvez les lancer ou les coller à des objets fixes en appuyant... Ok, ouais, c'est des Semtex leurres, quoi. Oh, c'est impressionnant. Bon, j'en ai qu'un seul, donc on va pas faire de bêtises avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Hypopsie. Ah mais non, mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est un truc de ouf, mais non. Il me faut une nécropsie pour récupérer les autres machins là. Ok, je peux pas casser. Par contre c'est magnifique, on va juste contempler un petit peu en ce début d'épisode eh bien les planètes qui nous entourent. Parce que là regardez, c'est la lune. C'est la lune et ça c'est la Terre. De toute évidence. C'est incroyable. Elon Musk, t'as vu ce qui nous attend? T'as vu ce que tu vas faire? Est-ce que c'est vraiment bien? En tout cas, c'est sexy. Bon, ça me rassure les fans. Attention, toute tentative de modification des commandes administratives sur les postes de travail ou digicode peut se solder par une décharge électrique. Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à un système, envoyez une demande d'aide à la sécurité. D'accord. Bon, Kelly Randolph, my bad. Hein. D'ailleurs, c'est qui que je suis censé retrouver en facultatif là? Bellamy, dans le service traumatologie. Eh bah, on y va! Puisqu'on est censé y aller justement. Ok bah parfait. Le service traumatologie. Attendez. Non j'avais cru. Bah je crois qu'on va y aller après. Psychotechnique machin, comment je... Il me faut une carte d'accès là. Ok, il me faut une carte d'accès. Bon pour le moment on peut pas y aller. Là. Oh là. Orientation. Oh. Tu vas rien faire du tout. Voilà. N'empêche, je prends des dégâts de manière abusive. Hein, si je puis me permettre. Arrête! Mais c'est pas vrai! Oh, j'ai plus d'énergie. Ok, j'ai capté. Hop là! Voilà, je lui ai explosé la face. Ah, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de tout comprendre. Oh, stylé. Neuromode. Compensation. Hugo Psy. Ok. Bah. C'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Y'a un fantôme. Ah oui, c'était sûr. C'était sûr. C'était... Et c'est trop stylé. C'est trop stylé. Il y avait un fantôme qui jouait avec le machin. Bon, je peux pas le récupérer manifestement. Ok. Bon, ma santé par contre, ça craint là. Faut faire gaffe, hein. Je suis à 50. Ah, ça, je peux pas ouvrir. Psychotechnique, staff only. Très bien. En plus, il me reste... En fait j'ai un problème, il me reste... Attendez, je suis perdu, au secours. Il me reste, voilà, une boîte de soins. Alors je vais pas aller bien loin. Bah là il y avait une boîte de soins mais il y en a pas. Alors, je vais dans les toilettes des femmes. Toujours. Petit lavabo. Je cueille. Je tire la chasse. Je tire la chasse. J'aime bien interagir avec tous les objets. Incroyable. Bon, je pense que les toilettes des hommes sont moins accueillants, si vous voulez mon avis. Oh. Merci. Par contre, ma santé a l'air de se générer toute seule. Lentement, mais je suis passé de 49 à 50. Wesh. Alors là, mon pote, vite. Voilà. Je me remets un peu de santé parce que là, c'est... J'ai pas encore les... J'ai pas encore les bons réflexes. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Bon. Papier froissé, cigare usagé. Mais je peux en faire des choses de tout ça ou... Parce que là, mon inventaire se remplit. J'ai une pomme. Restore 5 points de santé. Ah ! Je mange. Une peau de banane.
En cours de décomposition, recyclage. Ok, donc ça, c'est des trucs que je peux recycler. D'accord. Si je fais tri automatiquement, ok. Recyclage, recyclage. Ok, il y a vraiment une notion de recyclage. C'est un jeu d'écolo ou... Incroyable. Bon, il y a rien d'autre qui me donne de la santé malheureusement. Mais la pomme aura fait le taf. Hein. Voilà. Bon. Très bien. Allez, on continue vers notre objectif. Human Resources, Sales Divisions. J'ai l'impression que ça spawn à l'infini. Ok, je vais pas tourelle. Qu'est-ce que ce truc encore? Bon, je vais pas aller là, moi je vais monter. On va se rendre vers notre objectif. Hein. Et on va, voilà. Département informatique. C'est parti. Voilà, ça va être assez simple. Hop là. X. Parfait, 5 secondes. 97. Oh, waouh. Human Resources. Je peux encore monter. Fichier vidéo, 30 mètres. Prendre. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. En plus, il doit faire frais, ici. Oh, non. Il y a un fantôme. Bonbonne explosive. Oh, je sais. Je pense que je peux la faire exploser sur le fantôme. Oh. Ça régale. Ça régale. Je viens de me suicider total. Allez, salut. Allez, salut. Oh non, votre combinaison est endommagée. Elle absorbera plus de dégâts ennemis et environnementaux si elle est en bon état. Réparez-la avec un kit de réparation. D'accord, bah je me casse. Adieu. Bah je vais mourir là. Voilà, bah c'était sûr. Là c'est l'échec total de la part de moi-même. Aucun signe de vie. Ah, fait chier. Charger la dernière sauvegarde. Allez. Où c'est qu'il va me faire apparaître? Ok, juste devant la porte, c'est bon. C'est pas évident. C'est pas évident. Et comment je suis censé réparer ma combinaison? Neuromode? Non. Tac, tac, tac. Plus de combinaison. Mais non. Statut. Je peux rien faire. Combinaison, comment? J'ai pas de truc de réparation de combinaison ou bien. Ah si, kit de réparation, ouais. Ok. Utiliser, d'accord, ok. Donc si jamais, ça se passera ici. Ça me va. Bon, bah c'est reparti les amis. Hein. Mais j'ai capté ce qu'il faut faire. Faut les ignorer, je pense. Faut que je reverrouille derrière moi, en fait. Voilà, on va y aller accroupi. Oh, je peux monter là-haut? Ah non. Que voyez-vous dans le miroir? Que dalle. Ok. Oh bah bien sûr. Bien sûr. Allez, mes couilles sur ton front. Sérieusement. Verrouille. J'ai verrouillé. Wesh. Ça m'a fait si peur. Attends. Voilà. Alors, vous vous sentez con, hein? Bon, ça c'est fait au moins. Ça au moins c'est fait. J'ai pu me sécuriser. Wesh. Mais ouais, mais mec. C'est abusé, ça. C'est abusé. Kit de réparation. Hop. Voilà, ma combinaison est propre. Voilà, et là, toi... Toi, toi, t'es finito mon gars. Voilà. C'est bon? On est bon? Vous avez fini vos conneries? On peut continuer? Staff lounge. Bah bien sûr. Pardon? C'est une plaisanterie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais là c'est trop... Attends, ça va être quoi la sauvegarde là? J'ai peur. Mais quoi? Mais je peux même pas respawn. Je peux même pas respawn. C'est excellent, hein, regardez. Attends, j'ai une idée. Voilà, j'ai vite eu le temps
d'ouvrir l'inventaire. Non, c'est abusé quand même. Franchement, c'est abusé. Voilà. Voilà. Mais même là, je vais réussir à crever. Oh, il va beaucoup trop vite. Oh, bien vu. Vas-y, saute. Hop là. Il est tombé. Il est mort. Oh non. Mais frère. Non, mais c'est un sketch. C'est un sketch. Il m'a cassé la vitre sous mon... Non, mais c'est trop. Mais c'est trop. C'est improbable. Mais frère. Mais laisse-moi spawn. Mais c'est quoi ce jeu de mort? C'est incroyable. C'est incroyable. Vite l'inventaire. Inventaire. Inventaire. Voilà. Le soin. Et esquive. Oh non, mais il y en a deux maintenant. Allez. Ça le racaille. Hein. Mort. Esquive. Arrête. Ouais, mais tu peux même pas esquiver. Bah, il faut mourir. Hein. C'est bon? Ok. Cadavre. Bon bah mon pote hein. Désolé pour toi. Oh la vache. C'est pas évident hein. Placer les objets dans le compartiment. Oh. Recycleur. Let's go. Mais maintenant je sais pas qu'est-ce qui vaut le coup de recycler ou pas. Peau de banane. Ça c'est sûr que la peau de banane ça me servira à rien. Voilà. Pièce détachée. Recharge glue. Bah j'en ai besoin. Gants de baseball. S'en fout du gant de baseball, non ou bien? Fil dénudé, ça je garde. Déchets biologiques dangereux, je garde. Je pense qu'on peut fabriquer des trucs avec. Organes de typhon. Bon, on va déjà essayer comme ça. Recycleur. Résultat. Vas-y. Ok. Et du coup, matériaux organiques. D'accord. J'ai récupéré des matériaux organiques. C'est superbe. Matériaux synthétiques. Matériaux organiques. Utilisés par le fabricateur. D'accord. Bon, pour le moment, je suis pas sûr de savoir à quoi ça sert. Ça régale. Est-ce que ma santé pourrait augmenter parce que j'ai plus de... Voilà. Voilà, voilà. Parce que je n'ai plus de... Bah déjà, je peux même pas récupérer ma... Ah, c'est superbe. J'ai même pas de réparateur de combinaison là. Attends. J'ai pas de réparateur de combinaison, j'ai pas de soins. Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis pas bon du tout là. Y'a pas un truc qui régénère de la santé là? Oh là là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh là là. C'est atroce. Mais mon gars, va te faire foutre. Tu meurs. T'es où? T'es mort. Ouah la vache. Eh les mimiques, c'est fantastique. Hop, on cueille. Eh, je suis sûr que les agas. Non, attendez. À mon avis, ça, ça redonne du soin. Non. Mais même pas. Y'a rien qui donne du soin là. Vraiment? C'est atroce. Là, il y a un truc explosif. Donc déjà, on va pouvoir péter ça là-bas, je pense. Ça, à mon avis, ça va nous permettre de péter ça. C'est sûr. Est-ce que je peux explorer sans mourir, là, ou... Ouais, d'accord. Oh là là. J'ai 20 points de santé, je suis mort. Oh non, recharge pas. Oh. L'art international. Transstar Corporation a commandé des œuvres explosives. Exclusives, pardon. Ouais, bah ça c'est le lapsus. N'hésitez pas à mettre pause les amis, bien sûr. Ça sert à rien ce truc. Hein. Ça le met même pas en pause. Ah, ça y est, j'ai capté comment ça fonctionne. Je suis nul. Voilà. Ça l'a cryogénisé en fait.
Ah, je suis débile en fait. Faut tirer plusieurs. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est de la glace. C'est de la glace. Attendez, laissez-moi juste comprendre pour être sûr. Même si c'était déjà expliqué, non, c'est de la glu. C'est de la gelée liquide. Oui, voilà, c'est ça, de la glace quoi. Ok, ça y est, j'ai capté. Ça y est, j'ai capté, les gars. Je suis devenu un champion maintenant du jeu. Ça y est. Ça va nous faciliter la tâche. Vous avez dû vous mordre les doigts en commentaire là en me voyant galérer avec ça. Mais maintenant j'ai compris. C'est déjà pas mal. Maintenant je casse toutes tes assiettes parce que je suis énervé. Voilà. Y'a rien d'autre à faire là? Bon. Bon, en tout cas on a le recycleur ici. J'espère juste que ça va pas respawn à l'infini. Hop là, le petit frigo ça régale. La petite cafetière ça régale. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Là les cafés de riches là ça va 2 minutes. Mais il faut fouiller tous les placards, messieurs dames. Parce qu'il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture. Et cette nourriture là, messieurs dames, si je dis pas trop de bêtises, genre la pomme, restaure 5 points de santé. Allez, je mange. Ça c'est mes recharges glu. Ça c'est du thé vert. Recharge 5 points de santé. Je bois. Voilà. Restaure 1 point de santé, soigne la peur. L'alcool? Allez, soyons bourrés. Voilà. Restaure 5 points de santé, les nouilles. Je mange. Et grenade, je mange. Et glucotonus, je mange. Eh, c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas la folie non plus, hein, ce que je gagne comme... ce que je gagne. Bon là maintenant je suis complètement bourré. Alors. T'es en chemin? En chemin pour où? Octavia, t'as pas vu l'alerte? On est censé se rassembler. Écoute, c'est vraiment gentil de t'inquiéter pour moi, mais on n'en est pas à notre première alerte et j'ai encore 3 aspirateurs à réparer avant de finir ma journée. Oh, disons plutôt 4. Quelqu'un vient d'en déposer un autre. Bon sens que ces appareils sont merdiques. Il ne s'agit pas d'un exercice, Octavia. Je t'envoie le code. Je t'en supplie, rejoins immédiatement les modules d'évacuation. Chut! Fallait écouter les ordres, hein. Quand on vous dit d'évacuer, faut évacuer, hein. Oh, c'est beau. Oh mince. Par contre, comment je fais pour exploser ça de manière safe? Il faut... Attendez, il faut que j'explore les possibilités du jeu. Si je lance ça sur la bonbonne, ça va péter ou pas? Ouais, d'accord. Ouais, ouais d'accord. Ah putain. Comment je peux faire pour... En fait, il faudrait que je trouve un... pionnier de l'industrie spatiale, n'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse. Il faudrait que je puisse jeter quelque chose. Il faudrait que je puisse jeter quelque chose sur le machin sans utiliser mon arme. Bon bah j'ai compris. Ah! D'accord. Et y a pas un moment où ça a pété ou... C'est incroyable. Mais là je vais me faire exploser la face. Je comprends vraiment pas comment faire. Bonjour Talos. Le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. D'accord. Putain mais c'est impressionnant. Comment je fais? Je vais donner un coup, je vais mourir. Bon allez. Ah voilà. Ah alors ça c'est gênant. Alors ça voyez-vous, j'ai connu mieux comme sensation. D'accord. Bah si j'ai bien compris, je peux pas passer par là. C'est tout. Voilà. Faut pas chercher midi à 14h. Oh. Quel idiot. Je suis vraiment l'idiot du village hein. Et voilà. Voilà, 3 coups ça suffit, arrête d'exagérer. Je ne peux pas, mais peut-être que je peux prendre... Ouh, échantillon de tube à essai. Ça va McAvoy? Parce que t'as pas l'air dans ton assiette. Hein. Ouais, safe lounge. Safe lounge? Ah non, staff lounge, oui, rien de safe. Je continue de monter du coup j'imagine. Y'a des fleurs à cueillir? Ouais. Je cueille, hein, je cueille. Eh ben ça a changé la station spatiale orbitale. Hein. Ok.
va essayer d'y aller discrètement. Là je peux pas y aller non plus. Oh là là. Oh, il y a un pistolet. Oh, il y a un pistolet. Il me le faut. Il me faut le pistolet. Ça va absolument tout changer à notre vie. Tourelle. Ah mais c'est une tourelle alliée ça. Ah. Portée. Attaque. Bah, il attaque rien du tout. Déployé. Ok. D'accord. Ok. Ça va nous changer la vie. Oh là, il faut une piratage 4. Non mais tu plaisantes ou quoi? Toujours plus. Moi je fais comment pour débloquer des puces moi? Verrouiller, aucun mot de passe trouvé. C'est pas grave, j'en ai pas besoin, regarde. Alors. Ok, c'est parti. Zanza. Oh là. Oh là, oh là, je galère. Oh, ça commence mal. Hop, on passe par là. Allez. Et hop. C'est une blague. Voilà. Ah, il me restait plus beaucoup là. Email. Oh, une petite note. OMG. Hotboss. Ah, bah, il y avait le mot de passe si jamais. Code d'accès changé. Oh, la maintenance a installé le digicode pour mon bureau. Le code, c'est 0451. Parfait, faut retenir ça. 0451. Très bien. 0451. Je vais jamais retenir. Superbe. Bah, c'est peut-être ça. 0451, magnifique. 0451. Impeccable. Par contre, la tourelle. Votre bureau. Oh, on est au bureau. C'est bon de vous revoir. C'est ici que vous avez vécu les trois dernières années. La vidéo devrait se trouver sur votre poste de travail. Ok. On va déjà en apprendre plus. Pomme. Je la mange. Alors, voilà, on va éviter de casser notre propre bureau. Oh, bonsaï. Ok. Centre de téléconférence. Carte d'accès. Impeccable. Il est beau mon bureau, hein. Neuromode. J'ai... Oh putain. Pardon. J'ai récupéré 3 neuromodes. Donc là, je vais pouvoir me débloquer des trucs de zinzin, là. C'est quoi qu'on avait besoin, en vrai? Réparation, hein. Il me faut réparation. Vous entrez dans un état de transcendance. Furtivité. Les ennemis mettent plus de temps à vous repérer. Ouais, je sais pas trop. Bon, on verra bien. Allez, on entre le mot de passe. Oh là là, les emails. Vous avez réussi. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire preuve de politesse. Quand tu m'as croisé aujourd'hui dans le couloir, tu ne m'as même pas regardé. Si tu m'en veux pour quelque chose, parlons-en. Faire semblant de ne pas ne me connaître n'aidera en rien. Nous devons toujours travailler ensemble. Mika. Mika est là, en fait. Hein, c'est un diminutif. Bah, j'espère que tu vas bien. Morgane, comme vous l'avez demandé... Vos historiques d'activité seront automatiquement transférés dans votre suite des quartiers de l'équipage et les pièces du laboratoire technique. Ouais, les effets d'ombre. C'est impressionnant. Mince. Comme la semaine dernière. Non, attendez, automatiquement transférés dans votre suite des quartiers d'équipage, les pièces du laboratoire technique envoyées à l'étage. N'hésitez pas à accuser la réception ou à communiquer en cas de souci. Comme la semaine dernière, je m'assurerai que personne ne vous dérange. J'ai le plan que vous avez demandé, il est dans votre coffre. Ok. Didacticiel, c'est quoi ça? Poste de travail. Ah ok. Si jamais t'as un doute, que tu sais plus comment jouer, à tout moment... Alors le coffre, modificateur d'armes. Appuyez sur I pour l'utiliser depuis votre inventaire. Hugo Psy, canon glu, clé à griffe, modificateur d'armes. Combinez cet objet avec une arme pour l'améliorer. Ah, je viens de comprendre. Oh là là, j'avais pas compris. Donc là, je vais pouvoir améliorer le canon glu. Capacité de neutralisation, je peux le passer de 100 à 120%. Je peux augmenter sa portée à 12 mètres. Vitesse de rechargement. Pour le moment, on va économiser parce que maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, ça sert à rien, j'ai envie de te dire. Par contre, si j'arrive à débloquer le petit pistolet, là, je vais pas te mentir que voilà, ce sera plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est ça ? Fabricateur. Oh, l'arbalétrière. Let's go. En vérité, celui qui oserait vous défier serait pourfendu sans plus attendre.
car l'arbalétrière vise droit au cœur avec ses fléchettes de flexifoam. Fabrication interdite durant les heures de travail. Placez les éléments pour la fabrication dans les emplacements. Ajoutez ingrédients. Et c'est quoi que tu veux? Recharge glu. C'est quoi que tu veux? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Tuiles, matériaux, on a plein de matériaux. Des soins. Nouvelle carte d'accès. Oh, ça régale, il est super bien notre bureau. Pièces détachées, ressorts rouillés, fil dénudé. Placé. Alors ça c'est un recycleur encore. Hey, y a pas moyen de... Ressort rouillé. Attendez, j'ai compris. Oh, j'en ai un déjà. Matériaux synthétiques. Matériaux synthétiques. Il me faut un deuxième matériau synthétique. Comment je fais? Eh bien, j'ai compris. Matériaux synthétiques, c'est ça? Oh purée, j'ai compris le jeu. Incroyable. Attendez, bougez pas. Ouais, c'est ça, c'est les deux bulles bizarres là. Ça. Ouais, moi bah, je vais pas recycler le canon glu. Ni les kits de secours. Ressort rouillé. Ok. Ça, je mets. Tuyau en plastique. Voilà. Et là, mon pote. Et là, mon pote. Matériaux synthétiques. Impeccable. J'en ai même plus que nécessaire. Et je crée l'arbalétrière. Oh mon gars, ce jeu est fou. Ce jeu est dingue. Oh my fucking gosh. Bon, par contre j'ai pas de flèche. Ça tire des fléchettes en masse qui n'inflige... En mousse qui n'inflige aucun dégât. Tu rigoles ou quoi? Réputé pour sa capacité à taper sur les nerfs des collègues, distraire les ennemis et activer les interrupteurs à écran tactile à distance. Ah! Mais c'est trop nul! Puis en plus, j'ai même pas de. Non, c'est trop nul. Alors là, je suis déçu. Je suis absolument déçu. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis déçu! Oh! Oh, je suis déçu. Déjà que j'ai pas de flèche en mousse. Et en plus de ça, ça sert juste à rien, en fait, concrètement. Ok, bah c'est chouette, tant qu'on y est, on va faire du recyclage. Bon, les balles de 9 mm, très important. Ça, voilà, ça je pense que ça sert juste à recycler. Les bananes, c'est à manger, donc je vais garder. Ça aussi, tout ce qui restaure de la santé, je garde, hein, par contre, hein, clairement les gars. Cigare usagé, circuit imprimé inutile. Parfait. Fil dénudé, déchets biologiques dangereux. Bouquet de cosmos, coquille spiralée, ok. On fait un petit peu de place dans l'inventaire, on en profite. Hein. Leurre, bon ça je garde. Les matériaux justement c'est ce qu'on a besoin. Neuromode, organes contiennent des matériaux exotiques pouvant servir à la fabrication de neuromode. Ah, ça je garde. Papier froissé, hop, ça je laisse. Bon ça me paraît déjà plutôt pas mal en réalité. Je pense que là on va récupérer un maximum de choses. Oh oui. Là écoutez c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon bah c'est top. C'est top, c'est top. Qu'avons-nous d'autre dans notre bureau? Bah pas grand chose. Fichier vidéo. Ah bah oui. On a toujours pas regardé la vidéo. Au final. Morgane, regardez-moi. Cette vidéo miroir devrait éclaircir les choses. Vérifiez que personne n'est à proximité avant de le lancer. Ok. Passez la vidéo sur l'écran principal. Ok. Oh my god, le projecteur. C'est ici. Oh waouh. Oh waouh. C'est même plus une vidéo ça, c'est... C'est légendaire. Salut Morgan. Dure journée, hein? Sûrement si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolé, mais c'est permanent. Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur, une sorte de sauvegarde de toi et moi. Et il sait tout ce que t'as oublié. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les Typhoons. On a calqué leur schéma neuronaux sur les nôtres. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire.
Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que tu as oublié. Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. Mais quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. La question est, pourquoi ? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je pensais avoir trouvé toutes ces foutues vidéos. Désolé, mais je ne peux pas te laisser regarder ça. Pas tant que je ne t'aurai pas tout expliqué en personne. Pour l'instant, bon sang. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, s'il te plaît. Mais mon frère se fout de ma gueule. Mon frère se fout de ma gueule, hein. Il veut ma mort ou quoi? Trop loin, trop vite. Durant le second mandat de Kennedy, la course à l'espace prit de nouvelles proportions, mais sans son soutien, elle serait sans doute tombée à l'eau. Une succession de départs pour la Lune a annoncé l'avènement d'un programme spatial accéléré et dynamique, aussi bien dans les couloirs du gouvernement qu'aux yeux du public. Et étonnamment pour l'époque, ce qui aurait pu être une simple course entre deux puissances, bien sûr, ressemblera plutôt à une entente entre l'Union soviétique et les États-Unis pour atteindre l'espace ensemble. Mais tu parles d'un rêve. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Enfin, ça aurait été magnifique. Je suis navré, Morgan. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Il va falloir improviser. Je vous suggère de fouiller l'atelier du Dr Calvino, dans les laboratoires techniques. C'est lui qui a inventé le miroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions au serveur. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Oh là là là. Quel enfer. Quel enfer, dites-moi. Nouvel objectif. Entrer dans l'atelier du docteur Calvino. Très bien. Je prends la tourelle avec moi. Hein. Voilà. Ah oui! Ça fonctionne super bien en fait. Ça fonctionne super bien cette tourelle. Combat, base. Tirez profit de votre environnement et de vos outils au combat. Inutile d'affronter l'ennemi tête baissée comme vous le faites depuis le début, trou de balle. Vous pouvez emprunter d'autres chemins afin de vous faufiler derrière vos adversaires ou pour les surprendre. Si l'affrontement vous semble inévitable, servez-vous d'outils comme le canon glu pour immobiliser vos ennemis et augmenter vos chances de survie. Bien sûr. Bonjour Talos. N'oubliez pas. L'ensemble du personnel doit se soumettre à des examens physiques mensuels pendant son séjour à bord de Talos One. Le docteur DeVries promet de les faire aussi rapides et indolores que possible. Vas-y la tourelle. Vas-y la tourelle. Voilà. Voilà tourelle, c'est bien tourelle. Magnifique la tourelle. C'est une blague. Mon pistolet. Merci. Il est où le pistolet? Il est là. Yes. Yes. Elias Black. Oh non, le pauvre. Incroyable. Pistolet silencieux. Tu rigoles? En plus, c'est un pistolet silencieux. Le pistolet PPN-8 de Transtar est une arme de classe standard que porte chaque membre de la sécurité. Compact, rapide et silencieux, ce pistolet inflige une quantité de dégâts acceptable tout en restant relativement discret. Oh. Par contre, on peut pas viser. Et j'ai que 15 balles. Oh, ça fait plaisir. Par contre, ça fait super plaisir. Alors, je vais changer de raccourci. Je vais mettre ça en raccourci 2. Je vais mettre ça en raccourci 1. Et le glu, là, il est où le glu? En 3. C'est bon, c'est déjà le cas. Et le reste, je m'en fous. Ok. Commence à me plaire, ce jeu. Hein. Commence vraiment à me plaire. Allez, on mange la pomme. On a... le service traumatologie, la carte d'accès. Oh mais c'est parfait. C'est parfait ça messieurs dames. Puisque l'objectif hein, tac 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 hein. Voilà le cadavre de Bellamy est dans le service traumatologie. Donc c'est impeccable. Voir sur la carte. Oh, on a une carte. Non mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles niveau 3. Actuellement je suis là. Ouais actuellement je suis là. Et le service traumatologie il est où? Grand hall. Oh, et c'est tellement complet. Complexe, dirais-je même. C'est magnifique.
C'est magnifique. Comportement, je vais avoir besoin de renfort. Les volontaires sont agités, plus que d'habitude. Ce matin, 11 m'a menacé, je dirais même 11 m'ont menacé de me défoncer la tête si je ne le laissais pas se dégourdir les jambes. Le nouveau code d'accès, voilà, 0288. Ok. Docteur, j'ai transmis vos demandes précédentes. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces procédures? Calme et poli, il a serré la main de Leitner comme il avait peur de le briser. Il lui a demandé de signer un album qu'il avait avec lui. Allez, ça me saoule. Ça me saoule, j'ai l'impression que tout le monde se fout de ma gueule. Ma tourelle, elle commence à devenir HS. Je pense que je peux la réparer avec un kit de réparation. Ah non, j'ai pas 15 balles, j'ai 30 balles. En effet, 15 plus 15 fait 30. Mais j'ai envie d'économiser en vrai. Je vais économiser un petit peu. Ok, alors là on est dans la grande salle de réunion. La grande salle de conférence. La légende raconte que Kennedy est passé par là. Hein. Ah bah non, puisqu'on est dans le futur. Bonbonne explosive. Oh, pot de banane. Bon, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne. Alors. Ça pue du cul. Atelier du docteur Calvino. Ok, c'est pour là-bas la bonbonne. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne. Ah bah il y en a une. Il y en avait déjà une. Attendez. Reste ici toi. Ça m'a l'air un peu trop safe là, j'aime pas. D'un coup c'est trop safe. On a encore un recycleur. Ah non, il est HS. Dommage. Bonbonne explosive. Mais pourquoi il y a plein de bonbonnes explosives là? Vous croyez que je vais avoir besoin de tout ça? Pièce détachée. Ok. Ok. Ça, je prends pièce détachée. Il y a tellement de choses. C'est impressionnant. Bon, allez. Adieu. Ok, c'est bon. Ça, j'ai géré. Atelier du docteur Calvino. Êtes-vous sûr? Oui. On y va, messieurs, dames. Nouveau chargement. Comme au début de l'épisode, ça sent généralement pas bon. J'espère juste que ça respawn pas à l'infini. Ce que je veux dire, c'est que quand je safe une zone, j'espère qu'elle reste safe. Ce serait cool. Bon, bah messieurs, dames, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Allez, on sort le pistolet. Hein. Attaque furtive. Corrompu. Attendez. Maintenez C pour passer en mode furtif si vous désirez éviter un affrontement. Le mode furtif vous permet de vous déplacer en silence et de vous mettre à couvert afin de ne pas vous faire repérer. Si un ennemi détecte votre présence, une jauge apparaîtra au-dessus de lui. Ah bah il était temps que vous me l'expliquiez ça. Une jauge blanche signifie qu'il soupçonne votre présence, tandis que rouge ça signifie que je suis mort, littéralement. Attaquer un ennemi qui ignore votre présence permet d'infliger plus de dégâts. J'ai capté le délire. Alors, est-ce que j'y vais au pistolet ou pas? Allez. Bienvenue dans le hall. Ah. Oh non. Ok. Ok. Oh là. Oh merde! Oh non, bichette! Oh, c'est horrible! Ah bah, il va revenir sur la Terre, c'est bon. Terraformer Mars! Ah, planète crafter! Bon, ça c'est Elon Musk, hein, tout ça. Télescope examiné. Oh, c'est stylé. Adieu. C'est abusé ce jeu. C'est abusé. Adieu. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, je me suis fait arnaquer là. Mec, j'étais en train de contempler le... Non mais là... Là le problème c'est que j'ai plus de balles en fait. J'ai déjà plus de mission, j'ai tout claqué. J'ai trop le seum. J'ai vraiment trop le seum. Pot de banane, ça je prends, ça je prends. Le haut-parleur, ok, cool. Ça je prends. Ça je prends. Là je peux pas.
Piratage 2 nécessaire. Oh. Clé à griffe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Clé à griffe. J'ai déjà une clé à griffe, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon bah c'est bien, de l'alcool, ça je bois. Direct. Email. Hey, j'ai envoyé Larsen dans la salle de démonstration, voir s'il pouvait y shipper une bouteille. Ok. Juste un mot pour prévenir qu'on va devoir repousser la présentation du système de propulsion Artax. Ok Franklin, ça marche. Franklin s'est compté deux par deux et lassé ses chaussures. Oh là là, et puis la combinaison qui est endommagée, je peux même pas la réparer en fait. Oh là là, mais j'ai même plus de place dans mon inventaire, c'est incroyable. J'ai même plus de place dans mon inventaire. Bière, 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 tac, tac, tac. Bon, au pire, je vais consommer les bananes. Hein. Comment je mange ça? Comme ça? Encore et encore. Voilà. Fil dénudé. Y a pas des consommables? Si, ça. Et voilà, niveau santé je suis pas mal. Hop, on va retrier. Et puis ouais, j'ai pas de quoi réparer ma combinaison. Kit de secours. Ok. Dommage. Putain, j'ai plus de pistolet. Enfin j'ai plus d'armes. Enfin j'ai plus de balles. Y'a un fantôme. Y'a un fantôme. Je suis caché hein. Oh là là. Fantôme. Il est où le fantôme? Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Bon. Ça pue du cul. Fragment d'astéroïde. Très stylé. Très stylé. Ouais mais comment je vais faire? En fait faudrait que je le prenne par derrière. Bon oh, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok. Batterie à rayonnement. Ok. Ok. Bon. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Comment veux-tu rester discret, quoi? Comment veux-tu rester discret? Putain. Pas possible, ça. Foutez-moi la paix, merde. Ok. Alors. En effet. En effet. On peut lever les fauteuils de cinéma, c'est cool ça. Bon, monsieur, bonjour. Oh, j'ai plus de place. Bourbon, une bouteille de whisky américain. Bah, je vais la boire. Voilà. Pareil. Ah oui, il s'est mis une race avant de mourir lui. Bon, bonbon, 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 boire, manger. Ça enlève la peur. Je peux descendre là? C'est safe? Vas-y. Bah y'a que dalle. Ouvrir. Oh. Oh bah merde. Quelle idée. Quelle idée folle. Ah. Attendez parce que là je suis pas lucide là pour y aller. Recharge glu. Ah bah voilà. Tout simplement. Voilà. Impeccable. Monsieur, bonjour. Charge IUM. Libère une onde électromagnétique lorsqu'elle explose, mais va être lancée ou attachée à une surface. Ça, c'est cool, ça. Bon, je sais que je vais jamais m'en servir parce que je suis nul. Mais c'est cool, donc je vais libérer de la place. Bah, je vais manger ça, je vais boire ça, là.
Voilà, tout simplement. Ah, j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Attends, c'est quoi ça, clé à griffe? J'ai déjà une clé à griffe. J'ai déjà une clé à griffe. La charge IEM, ouais, ça j'ai compris. Ok. Ok, ok, ok. Pièce détachée. Je suis censé aller où là? Ah, je grimpe là, très bien. Ah, c'est vrai que j'ai une lampe de poche. Comment je... Ah, mais y'a rien à faire ici en fait. D'accord, c'était juste pour récupérer une grenade IUM. Si vous voulez mon avis. Ok, bah c'était bien sympa, j'ai bien aimé. On va fermer. Ça je peux pas casser, ok. Ah, oh, c'est terrible. Hein. C'est terrible, ce jeu me fait peur. Je pense que j'avance très lentement les amis, mais c'est ça qui est bon, j'espère que ça vous plaît. Y'a que de la bière là. Hein. Oh, ça va. Fais pas genre que c'est si terrible que ça. Hein. Non, je rigole. L'abus d'alcool, attention. Hein. Là j'ai peut-être un peu exagéré. Hein. Boîte de conserve vide. Bon. J'ai vraiment plus de place. Il faudrait que je trouve un recycleur. Ou limite que je revienne chez moi, quoi. Je sais pas. Oh là là. Il se passe tellement de choses. Tourelle. Où c'est qu'il y a une tourelle? Oh, neuromode. J'ai récupéré un neuromode. Bien vu. Bien vu. Ah bah la tourelle se fait détruire visiblement. Démonstration, machin. Verrouillé. Comment je peux faire? Security. Comment se faire cramer? Ah bah on va passer par là. Ok. Wesh, équipage. Oh. Oh, excellent. Bon, tout le monde est mort. Ça veut dire quoi ça? Ah, c'est ceux qu'on a retrouvés. Stable. Oh, il y en a un qui est encore en vie. Trouver Lorenzo dans le laboratoire technique. Trouver Marie Malidro. Ouais, faut trouver tout le monde quoi. Faut trouver tout le monde là en fait. Tu crois que... Hein? Plan de fabrication. Oh! Plan de fabrication de mission pour pistolet. Let's go! C'est ça qu'il me fallait. Allez hop, on a foutu vos caméras là. Bon bref. Utilitaire. Carte de la zone. Téléchargez la carte de la zone. Let's go. Donc là, je suis là. Ok. Atelier. L'atelier est là. Donc on était dans la salle de présentation ici. Donc on va falloir que j'aille là. Que j'aille tout droit. Non. Je rentre dans l'atrium, que j'aille à gauche, gauche. Et j'arrive à l'atelier. Ok. Ça c'est le niveau 2. Ça c'est le niveau moins 1. Oh, ça craint. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Bon. Alors. Non, je vais peut-être pas déverrouiller tout de suite. En fait, j'aimerais bien fabriquer des balles. Oh, attendez, il y a Ken Rosito là-bas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière, de toute façon on va s'en arrêter là pour cet épisode, mais là je suis curieux de comprendre ce qui se passe. Bon, c'est un petit peu chiant les temps de chargement comme ça. Bon, ça permet d'avoir un petit moment de répit safe. Ah ouais, elle est en bas, mais on l'avait déjà découvert, non? Attendez. Là on est nouveau hub. Ah ouais, parce que... Elle est juste en bas, ok. Je suis pas encore allé là. Hein. Ouais, mais si je redescends, ça veut dire que je vais devoir affronter les gars là. Attendez. Ah mais non, pas besoin. Attendez.
On revient là, là il y a ma tourelle. Toi je te prends. Ah mais attendez, attendez. Il y a mon bureau là. On va voir si on peut fabriquer nos balles de pistolet. Ouais, je suis dissipé mais c'est important. C'est important. Balle de 9 mm. Il faut ça, ça. Ok. Bon, j'ai plus de place. Despawn pas par contre. Hein. Despawn pas. Parce que là c'est parfait. Ce qu'il nous faut c'est voilà ça. Batterie à rayonnement. Un groupe de cellules pour alimenter le prototype du canon à rayonnement Q. Tu sais quoi? Je transfère tout, je m'en fous. Ça, je transfère. Gants de baseball. Hop. 5 points de santé. Organes de typhon. Pièces détachées. Voilà, ça j'ai faux. Ok, ok, ok. Bon, ça je peux enlever. Ah, kit de réparation de combinaison. J'avais ce qu'il fallait en fait, je suis bête. Fragment d'astéroïde. Hop. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Je vais récupérer mes munitions. Je vais récupérer tous les matériaux. Et je vais pouvoir enchaîner encore et encore. Ok, c'est 30 par 30 par contre, c'est un petit peu chiant mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, il m'en manque encore. Et il m'en manque encore. Il me faut juste encore un... un truc là, un matériau, j'ai même pas suivi comment ça s'appelait réellement. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, thé vert. Ah mais le thé vert c'est trop important. Ah, mais non mais ça c'est important aussi les bonbons. Ah c'est chiant, charge IEM, balle de 9 mm, machin. Ouais non là j'ai plus rien pour... Ah j'ai le pistolet quoi. Non là je peux plus... Je peux plus me faire de plaisir. Je peux plus me faire de plaisir. Non mais c'est très bien. C'est très bien. Je vais les laisser là, comme ça ça me fait de la place dans l'inventaire. Ok, bon bah voilà, au moins du coup j'ai de nouveau des balles. J'en ai 60 au total. Qui vont à mon avis très vite partir également, mais bon. Et du coup je peux aussi réparer ma combinaison, attention, faut que je le fasse. Là, non c'est pas ça. Ah, j'ai encore du mal à suivre. Où est le kit de réparation? Là. Utiliser. Voilà, comme ça elle est réparée. Voilà. On va descendre pour trouver du coup le cadavre. Et puis explorer également parce que... Parce que là je découvre un nouvel endroit. Je déploie la tourelle, hein. Je me situe utilitaire. Carte de la zone, parfait. Ouais, parce qu'on n'a pas tout fouillé. Après comme dit c'est un vrai open world, hein. Vous avez vu, on peut aller là où on veut, quand on veut. C'est juste gigantesque. Département neuromode. D'accord, bon ça va pas plus m'aider que ça en réalité. Puisque je vois pas trop quoi faire ici. Équipage, donc là il y a tous les trucs d'équipage. Alerte système, réparation nécessaire. Emmanuel da Silva, elle est en vie. Elle est en vie. Faut que je la trouve. Ok, elle faut que je la trouve, elle est en vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça. Ah ouais. Casse les couilles. Ça casse les couilles. Y a pas moyen d'être plus furtif quoi. Y'a pas moyen d'être plus furtif, hein. C'est pénible, hein. C'est vraiment pénible. Nécropsie requis. Attendez. Est-ce qu'on peut pas débloquer une nécropsie, en fait? Médecin, piratage. Force physique, réparation, expert en matériaux. Sécurité, tireur, révision, transcendance. Ok, déjà, furtivité. On va se le prendre. D'accord? Ensuite... Réparation. Ok. Médecin. Vos connaissances en médecine augmentent l'efficacité des kits de secours. Allez. Voilà. Non parce que sinon on va vraiment jamais s'en sortir.
Et c'est vraiment pas objectif. Bon. Visiblement, il m'a lâché la grappe. Ouais, il m'a lâché la grappe. Bon. On va redescendre ici. Security, je suis encore jamais allé là. Je suis encore jamais allé là. Mais visiblement, Emmanuel Da Silva est par là-bas. C'est verrouillé. Ah, fait chier, il me faut une carte d'accès. Faudrait que j'arrive à retrouver quelqu'un de vivant, quoi. Ce serait chouette. Ce serait vraiment chouette. Bon. Ça, c'est une tourelle. C'est par ici. Ok. Il y a une tourelle là également. Bonjour. C'est une zone assez safe. Bonjour. No oxygène détecté. Je peux même pas y aller non plus. Ah là là, c'est terrible. D'accord, ouais, donc là en plus je peux même pas y aller n'importe comment. Ah, c'est terrible. Bon les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Adieu. Ok, c'est bon, heureusement que les tourelles sont là. Là c'est vraiment une zone un peu safe. Bref, j'espère qu'il vous a plu. C'est pas facile, mais on y arrive, c'est vraiment chouette. Donc voilà, n'oubliez pas le pouce bleu pour l'encouragement. Ah, dommage. Je pensais que je pouvais appeler quelqu'un. Mais en fait, non, je ne peux pas faire l'appel à un ami. Bref. Ah, appel entrant. Vous aurez du mal à vous y rendre. L'ascenseur principal ne fonctionne pas. Le système m'indique que tout va bien. C'est juste que le code de diagnostic change à chacune de mes requêtes. Je cherche une solution de contournement. 1963. Très stylé les amis. Oh mais attendez, j'avais vraiment pas tout fouillé en fait hein, ici hein. Oh, j'avais vraiment pas tout fouillé. Honte à moi. Très stylé. Mais en tout cas ça confirme que une fois que t'as safe une zone, elle reste safe. Et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà les amis, on s'en arrête là pour cet épisode. Et donc dans le prochain on va retourner là-haut hein, à l'atelier du docteur Calvino. Et puis voilà, tout simplement on n'a pas le choix. Jusqu'ici on n'a pas le choix. On va devoir suivre cette trame. Donc on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. J'espère que vous la kiffez. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. T'as kiffé cette vidéo, t'aimes Colo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur.